Salut amis, c'est Krieger. Après un peu de repos, j'ai essayé d'y retourner. On va aller voir Melnik. Colonel. Y a pas grand chose d'utile là-dedans. Des pistes tout au plus. Même si ces documents donnent le chemin vers D6, notre prochaine destination. T'es prêt? Toujours, colonel. Donc c'est bon. Tout est prêt, Ullman? Le bois est coupé. Vladimir? L'équipement est prêt. Et vous, les gars? Prêt. On bouge, alors. Vous avez une sacrée équipe, quand même, colonel. C'est sympa, ce coup-là. J'ai été trop équipé pour ce genre de mission. Je vais aller voir Khan. Bon, Artyom. J'ai beaucoup trop parlé. Il est temps de partir. Au revoir. Au revoir, mon ami. Merci. C'est le donjon de la vieille église. On entre. Et c'est parti. Un tunnel sombre, des bruits de ferraille et l'odeur de la mort. C'est ainsi que notre voyage vers D6 avait commencé. Mais notre but semblait plus proche à présent. Je confirme. D'après la carte, il y a différents moyens d'arriver à D6. Le plus court, c'est de passer par les installations près de Kievskaya. On va essayer ce chemin. Kievskaya? J'ai entendu des choses étranges à propos de cette station. Il y a eu une explosion dans le tunnel et de nombreuses personnes ont été enterrées vivantes. La rumeur dit qu'elles ont survécu, mais qu'elles ne ressemblent plus à des humains. Vladimir a perdu toute sa famille dans les tunnels. Et il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Réveille-toi, Artyom, réveille-toi! Bien, il reprend. Oh la vache, l'éclairez pas, on est en train de l'aveugler. Artyom, tu vas bien? Tu peux tenir debout? Ouais, vite fait. Artyom, qu'est-ce qui t'a pris? Merci, colonel, j'en sais rien. On arrive! Il y a un sas ici! Bien, on s'arrête ici. Bon sang. Cet endroit me file la chair de poule. Jette un œil à la porte. Oh, l'unité de contrôle est réduite en miettes. Toutes les lignes sont coupées. Vlad, prépare tes outils, on doit ouvrir cette porte. Artyom, reste ici et couvre-nous, il faut pas de mauvaises surprises. Vlad. Merde, c'était trop beau pour être vrai. Fallait pas donner ça à Krieger, c'est dangereux ça. Très bien. Très bien. Vladimir, trouve le plan du premier bâtiment.
Pullman, regarde ça. D'abord, envoyez les câbles, puis à vous signaler, on allume les interrupteurs. Il y a quelque chose là-bas. Quelque chose approche. Ignore-le. Salut. Il nous arrive. Tunnel était enfermé derrière les portes du sas. Elles avaient l'air indestructibles. Et à cet instant, mes camarades aussi. Très bien, on a réussi à passer. On va essayer de faire ça vite et bien. Holman, tu diriges l'équipe d'assaut. Boris et Stepan, vous couvrez le comic. Artyom et Vladimir, restez près de moi. Allez, on y va. Pourquoi se dépêcher, colonel? On devrait plutôt s'asseoir et fumer une clope. On est bien trop nerveux. Pas de repos pour les braves, comme tu le sais. En avant, mes soldats. Vous allez passer à la postérité. La postérité? Je suis pas sûr de vouloir laisser mon nom dans les annales de l'histoire. Regardez, quelqu'un a laissé un squelette ici. Ça vous tente un petit souvenir? Holman, ça suffit avec tes blagues. Quand on sera à la station, tu nettoieras les tunnels avec une brosse à dents. Oui, mon maréchal. À vos ordres, mon général. Holman, t'es un sacré taré, tu sais ça. Voici notre premier défi. Artyom, allume ces interrupteurs. J'y vais, colonel. Ce truc est marrant. Dommage qu'il soit cassé. Merde! Pas de vulgarité, soldat!
C'est pas vulgaire, c'est de la merde, vraiment. Et j'ai marché dedans. Mais c'est bon signe. C'est pas un signe, c'est un présage. S'il y a de la merde, ça veut dire qu'on a de la compagnie. C'est clair. Ici ! Putain ! Voyez-le ! Merde, y'en a d'autres ! Tout est ok ! Écoutez, l'attaque est la meilleure des défenses. Vladimir, tu vas avec Artyom. Et vous restez à l'arrière tous les deux. Ok ? On y va. Colonel, je peux pas me battre dans ces conditions. Ça pue tellement que j'ai perdu dedans. Holman ! J'espérais que ça ferait perdre son sens de l'humour. À 2000, hein. Oh, et puis merde. Allez, allez. Un verre de... C'est une bonne idée, hein, colonel. Va te faire voir. Un autre comique. Arrête de rire. On a déjà tout pété, camarade. Merde! R.A.S. colonel! On est mort! Alors, la paix! Annonce du jour! Voilà, ferme! On va s'en sortir! Ça c'est clair, colonel. Je me dis en passant, je suis déjà mort. On va s'en sortir. Quel lâche, mec, ça. À gauche. Ah, va te faire foutre. Oh merde. Je le jure sur ta mémoire, je les traquerai tant que je serai en vie.
payer. Putain de monstre! Très bien. Il y a une station d'essence et des égouts plus loin. Il faut qu'on ouvre la porte. Donne-moi quelques minutes. Très bien. Vas-y. Défini, quelques minutes. Encore un peu. Tu glandes. Allez, chante-moi ça, on n'a pas le temps. C'est ouvert. Mettez vos masques à garde. Reprennent du terrain. Ullman, jette un œil aux égouts. Oh, c'est à moi qu'on confie toujours les boulots les plus intéressants, hein. Putain. RAS, on y va. Sans pas cette zone. J'ai regardé ça. Attention, les gars. Passage en bas. C'est notre seule solution. On y va doucement. C'était quoi? C'est une boîte de Salis. On s'est fait repérer. Attention. À droite. C'est la porte qui mène à D6. On y est? On dirait bien. Vous savez ça, chef? Ah, ouais, D6, en même temps. Merde! C'est verrouillé! Oh, ça me surprend pas. C'est quoi ce truc? On dirait une fichue porte. Allez, on y va. C'est bon. Artyom, inspecte cette pièce. D'accord. Oh putain. Si ça se ferme... Oh ben, putain, tiens. Artyom, tu vas bien? Oui, ça va. Bien, on va essayer de se rejoindre. En attendant, on cherche une sortie. Bonne chance. D'araignée, il manquait plus que ça, quoi.
faire ça. Oh, merde, la batterie, grosse flamme. Non, pardon, grenade. Voilà l'incendie, Merde, ces saloperies sont dans tous les coins. Sale bête, je te vois. J'ai l'air d'avoir encore de la lumière. Je te vois, sale bête. Là. Et un coffre. Donc vite. Ah putain, j'ai pas aimé ça. Aïe. Hey. Va te faire voir, sale bête. Viens voir ça. Sale bête. Putain. Très mauvais saut. Artium sort de là, Artium sort de... Là. Ah, miséricorde. Visio. Oh, regardez, un mec avec du système de soins. Quelle chance. Ici. Oh putain, vous êtes là.
Juste ciel. Au moins t'es en vie. On a perdu Stepan. Sérieusement? Putain! Hé, hey, silence! Y'a un son qui provient du tunnel. Vous l'entendez pas? Quelque chose approche. Tunnel? Qu'est-ce que... Et alors? Bien, bien, bien. C'est quoi ça? Ça ressemble à un système automatique. Bien, bien. Je vais regarder ça. Automatisé. La vache. Comment elle fait encore pour fonctionner? Ça fait des années qu'il ne doit plus être opérationnel, ça. J'ai comme un mauvais pressentiment. RS. Confirme. Il n'y a pas d'autre solution. On doit grimper à bord. S'il faut, il le faut. C'est chaud. Alors la prochaine station, c'est D6. On était proche de D6. On avait du mal à croire qu'on avait trouvé le légendaire centre de commandement. Mais valait-il toutes ces vies perdues? On allait bientôt avoir la réponse. Ok les amis, c'était Krieger pour cette nouvelle vidéo. La prochaine étape, c'est D6, centre de commandement souterrain. Et à la prochaine, c'était Krieger sur Metro 2033 Redux. Tchuss!